On va voir le sanctuaire. Hop. Ah si. On peut pas dire que ça n'est plus.
Bon bah voilà, y'a plus de cinglés, y'a plus de cinglés, y'a plus de cinglés, y'a plus de cinglés. Putain, fais chier ça. Ça m'agace quand il y a un truc comme ça m'agace. Ça m'agace parce que si j'avais. Putain, ça m'agace. Ouais, tous les coups je viens et puis il va se barrer. Et il se barre. Putain. Et voilà, il se casse. Putain. Putain. Dingue. Chaque fois il se barre. Peut-être pas, non? Attends, c'est quoi ça? Mais non, mais... N'importe quoi. N'importe quoi.
Thank you.
c'est où tout ça? Alors, je suis où là-dedans, moi? Je suis là. Ah, j'ai vu un truc sur la Game Boy Elite, enfin la Game Boy, sur la manette Game, à mais pourquoi je dis Game, sur la manette Xbox, la manette Elite, la A2, en fait le truc qui change par rapport à la une que j'ai, que j'utilise là, que c'est celle que j'utilise là pour jouer, elle a pas de batterie quoi. Enfin si, elle a une batterie, mais une batterie comme la PS4, c'est-à-dire que la batterie qu'elle est intégrée dedans. Là, c'est-à-dire que la batterie qu'elle est intégrée. Ça fait du bon boulot en prison. Comme ils faisaient sur la, comme les consoles PlayStation quoi. Donc c'est pas un mal. Hein. Je comprends même pas pourquoi d'ailleurs que la que les manettes de Xbox qu'ils ont pas fait comme Sony de mettre des manettes avec les batteries intégrées. C'est pas plus ridicule hein. C'est pas plus ridicule que certaines choses que font Microsoft hein. C'est pas ridicule et puis en plus c'est bien les manettes avec les batteries intégrées. Comme ça on n'a pas besoin de mettre de piles. T'as juste à la charger et puis voilà. C'est ce que je faisais quand je jouais sur la PS3, c'est ce que je faisais. La PS3 j'avais acheté deux manettes en plus pour le cas où. J'avais acheté des manettes à l'époque des manettes PlayStation pour la. J'avais acheté des manettes PlayStation pour le cas où si jamais que la batterie elle s'est chargée quoi. C'était bien, hein. Moi pour l'utilité que j'en avais c'était très bien. Comme ça. Puis en plus les batteries de la PlayStation à l'époque j'ai toujours trouvé qu'elle durait plus vite que la. Elle durait plus que les manettes Microsoft. Là, la manette Elite, là, ils disent que quand on la charge complètement, elle peut tenir 40 heures. Alors, 40 heures, je suis un peu perplexe, mais bon. 40 heures, je suis un peu perplexe. Parce que 40 heures, si t'es en groupe d'amis, si t'es en. 40 heures si t'es en groupe d'amis, t'es 40 heures. Et comme il y en a beaucoup qui sont en groupe d'amis, qui sont que en groupe d'amis d'ailleurs, qui font que des groupes d'amis, 40 heures, ça veut dire 2 jours. Ça veut dire que la batterie, elle peut tenir 2 jours. Mais ça, c'est dans les faits, ça. Et ça, malheureusement, je pense que c'est dans les faits, parce que la manette simple de la Xbox, elle tient pas 2 jours. Ça, je peux le dire parce que quand j'étais en groupe d'amis avant que j'ai les problèmes que j'ai eu avec les autres là, quand j'étais en groupe d'amis, elle tenait une journée quoi. Donc, elle tenait pas 2 jours. Alors après la manette Elite 2, je sais pas si elle va vraiment tenir 40 heures comme ils le disent. Moi si je me l'achète cette manette là, de toute façon je la mettrai branchée parce que la manette Elite, la première que j'ai eue, la première version, c'était pas... On va dire que la première version de la manette Elite que j'ai eue, c'était pas... Ah quoi. La manette d'élite, que j'ai eu, la première version, c'était... Au niveau du Wi-Fi, ça... Non, c'était pas... Au niveau du Wi-Fi, c'était vraiment pas ça, quoi. Franchement, au niveau du Wi-Fi, c'était pas ça du tout. Hein.
Ça va être nous au début. Ça va être nous au début, et puis après. C'est. Après, c'était pas ça. Après, c'était vraiment pas ça. Franchement. Parce que la mettre Wi-Fi, parce que. En Wi-Fi avec la console. Au début, ça marche parce que la console elle a connecté, etc. Et après. Mais après c'est pas ça quoi, après c'est pas vraiment le cas. C'est pas le cas du tout même. Mais non. Après c'était pas le cas, hein, franchement. Moi je peux le dire, c'était. À chaque fois que j'étais connecté, il fallait que je la reconnecte. Une fois je vais approcher Cars, ça. La manette elle s'est déconnectée au moins. Elle s'est déconnectée deux fois, voire trois, voire quatre fois dans la partie. Quand j'ai vu ça, j'ai fait hop, je l'ai mis en fille comme ça, je l'ai mis filière comme ça. Mais apparemment la manette I2, on pourra aussi mettre à filière, hein, c'est pas. Bah, d'ailleurs elle est vendue avec un fil. D'ailleurs elle est vendue avec un. Elle est vendue d'ailleurs avec un fil. Elle est vendue avec un fil de 2 mètres apparemment. Apparemment. Mais apparemment c'est pas ça quoi. Abattez ce carcajou. Et merci, non? Non? Pas les merci? Ah mais j'ai fait ça déjà. J'ai fait. Bon bah maintenant on va faire ça, ça j'ai déjà fait. Bon bah maintenant on va faire ça. Ouais. Rejoignez le calvaire. Le calvaire. Puis après bah voilà. Et après bah on va continuer doucement. Après on va faire la zone là et puis après bah on va se remonter l'autre. On va se remonter l'autre cinglé. Et puis voilà, oui. On va seulement tuer votre cinglé et puis c'est bon. On va seulement tuer l'autre cinglé et puis c'est bon. Alors. Hop. Le calvaire. J'en ai une usine traitement des jours. Non. Mais pour la manette Elite 2, hein, je pense que pour la manette Elite 2 aussi, ça peut ne pas être mal. Bon, après évidemment, faut voir. Après comme tout, faut voir sur la longueur. Mais d'après ce que j'ai vu de la manette Elite 1, par rapport à la manette 1, à la manette Elite 1, il y a un truc qui a fait pas à Dieu, c'est que au niveau des cachets d'ailleurs. Au niveau des gâchés d'ailleurs, apparemment, ça pourrait sauter encore plus vite. De ce que j'ai vu.
Non, pas. Bon, ça vient. Eh, mais. On sait jamais, tu sais, les zombies. Je vais me dégourdir un peu les pattes. Donc, je sais pas. Faut voir. Faut voir sur la longueur, faut voir sur la. Faut voir. Faut voir. Peut-être que c'est intéressant, hein. Mais bon, on verra. On verra bien. Crapé de roche. Oula. Quoi ça? Crapé de roche. C'est là-bas? Oula. Crapé de roche. Intéressant ça. C'est quoi ça? C'est là-bas, crapé de roche? Non, oh, on va déjà faire ça à la mission, puis après on va rester plus à craper de roche. Mais ce que je veux dire, c'est pour la manette I2, bah ça peut être bien. En plus la manette, elle est plus en plastique, c'est. Bah. Elle manette bien. Franchement, elle manette bien. Bon, évidemment, c'est pas une manette. Évidemment, c'est pareil le prix. Hein. Mais bon. Comme il y en a qui sont plus riches que moi. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà commandé sur Microsoft et qui jouent avec. Hein. Mais non, elle peut être bien, elle peut être bien. Je pense qu'elle peut être bien. Elle peut être bien. Enfin, après. Hein. Bon, je crois pas qu'il s'agissait de rumeurs. Un groupe d'éclaireurs vient de me contacter. Une prêtresse a l'air de venir dans ta direction. C'est pas une coïncidence. T'auras que quelques minutes pour sécuriser la zone. Et ça. Ce qui est magnifique, c'est que t'es complètement cinglé. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. Promener. Mais sérieux, oui. Je commence vraiment à perdre patience. Oh non. Où est Swalper? Je me dégourdis un peu les pattes. Sérieux, oui. Ah, elle ferme.
Oula. Allez, bien, allez. J'espère que t'es prêt, les gamins. Si on s'est pas planté, la prêtresse devrait pas tarder à arriver. Et quoi? Si je te dis, je sais pas comment il est pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu crois me faire peur? Tu crois me faire peur, espèce de cinglé? Tu crois me faire peur, espèce de cinglé? Ah ouais, mais elle est atteinte, hein? Elle est atteinte. Elle est complètement cinglée. Complètement cinglée. Complètement cinglée. Bon. Bah tiens, on va aller pêcher, tiens. Puis avant, je vais me chercher un verre à boire. Voilà. Et complètement... Complètement schnocké. Complètement schnocké. Complètement taré.
Alors, on va dépêcher, tiens. Naïvement. Pourquoi tu me commences à me comprendre ? Naïvement, je pensais pouvoir te faire confiance. Et naïvement, bah, tu ne fais pas confiance. Confiance a été brisée. À plusieurs reprises. Couvre-moi, je me déplace. Alors, il n'y aura plus d'interférences. Plus de diversion. Plus de pitié. Trouvez la volonté du Père. C'est pas la volonté du père, c'est ta volonté. C'est, enfin, c'est pas la volonté du père, c'est... Grimper de roche. Pour tout un tas de raisons, mais c'est vraiment urgent. Grimper de roche. Alors, viens voir. Je plane plus haut qu'une girafe en Jamaïque. Officier. Si un poisson ne gigote plus, ça veut pas dire qu'il est mort. Les gens qui essayaient d'abuser de la petite, de la douce, de l'enfant. Quand tu as pris le marchand, tu crois que tu avais gagné. Comme je te gagne. Tu as perdu. J'ai du matériel pour toi si tu veux. T'es conscient que t'as fait perdre ma... Génial, merci. T'es conscient que vous m'avez fait perdre une pêche là ? T'es conscient de ça ? Ah mais attends mais... C'est du brut de chez Pochon. Ah mais...
Bon, est-ce que je peux pêcher tranquille? Oh, mais attends, mais... Attends, je vais un truc de d'armes parce que là... Parce que là, ça va être dur de se dire là. Je fais un truc d'armes parce que... Face, tu pourrais le payer cher. Il s'agirait d'un complot du gouvernement pour augmenter. Depuis que t'es là, et que le tout a changé. Yeah.
mais plus tard. Je sais pas pourquoi, mais je pense que la fille que j'ai vue hier qui a diffusé, qui faisait voir ce qu'elle a acheté sur Amazon, je pense que on n'est pas prêt d'avoir ces mixeurs. Bon, tout compte fait, j'ai bien fait de pas la signer. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait à ma place. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait à ma place. Pour une fois qu'il y en a un qui signe quelqu'un. Pour une fois. Je sais que si je l'aurais vu encore hier soir faire ce qu'elle faisait sur le. En fait, ce qui me dérangeait avec cette fille, c'est qu'elle joue pas. Elle faisait voir sa tronche et puis basta quoi. C'est ça qui me dérangeait profondément. Quand tu diffuses, tu joues. Si c'est pour diffuser, pour montrer ta tête et puis pour raconter des choses qu'on a. Bah, c'est pas qu'on s'en fout, mais bon, c'est pas le but. Hein. Bah, à ce moment-là, tu diffuses pas. Hein. Si c'est pour raconter ta vie comme elle le faisait, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. Surtout que ouais, c'est pas le but quoi. C'est pas le but de Mixer, c'est de montrer nos jeux, c'est pas de raconter nos déboires, notre vie, enfin c'est pas le but quoi. C'est pas le but. Au pire, si elle veut faire ça, elle va sur Periscope et puis voilà quoi. Mixer, à ce que je sache, c'est pas Periscope. Hein. Je sais que sur Periscope, moi j'ai testé pendant un petit moment. Quand j'ai vu que je pouvais streamer mes jeux sur Periscope, j'en ai profité un petit peu. Malheureusement, enfin, je diffuse plus dessus parce que moi, leur style de chat, ça me plaît pas, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais voilà, si elle veut raconter sa vie devant une caméra, elle peut le faire sur Periscope. Hein. Periscope, c'est fait pour ça.
Et c'est méchant ce que je dis, mais Periscope c'est fait pour ça, donc... Periscope c'est l'endroit idéal pour ça. Il fallait quand même pas prendre... il fallait quand même pas prendre Mixer pour... il fallait quand même pas considérer Mixer comme Periscope, quoi. Mais malheureusement, si Mixer autorise ça... si Mixer commence à ressembler plus à Periscope qu'à Mixer... surtout que Periscope, bon... ça n'a pas une très bonne réputation non plus, parce que Periscope... Periscope, je sais plus en quelle année, il y en a une qui s'est suicidée, il y en a une qui s'est suicidée par et qui a montré ça sur Periscope. C'est ouais quoi. Moi pour y avoir été dessus, pour y avoir été dessus sur Periscope, je sais qu'il y a des choses qui se disent. Les choses qui se disent, c'est pas très... Ouais, quoi. Moi, je m'en foutais, moi. Bon, j'ai voulu voir, parce que, bon... j'ai voulu voir par moi-même si c'était vraiment aussi horrible, enfin, pas horrible, mais aussi ce qu'on... comme ça se disait sur les sites, et malheureusement, c'est vrai, quoi. Donc, si Mixer, ça commence à ressembler à ça, à Periscope, à ce qu'on peut voir sur Periscope, c'est... enfin, c'est pas l'endroit, quoi. C'est pas l'endroit idéal, quoi. Je veux dire... si elle a des problèmes dans sa vie privée, j'ai envie de te dire, c'est pas nos affaires, quoi. C'est pas nos histoires. Ça nous concerne pas. Hein. Ça nous concerne pas. Je vais pas dire qu'on s'en fout, parce que c'est pas... je vais pas dire qu'on s'en fout, parce que c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas le but de dire ça. C'est méchant, même. Mais bon... on a tous des problèmes, c'est pas pour autant. Voilà quoi. D'où on est mis, toi? Putain, le mec, il est balèze, le mec, là, avec le... c'est bon, hein? On va dire que, voilà, quoi, c'est pas... Des flammes à cause de qui? À cause de qui? Marrant lui, les flammes. Il est drôle lui, il est drôle. C'est un mortier, ça, mon cher. C'est un mortier. J'ai la cible en visuel. Soutien aérien en approche. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Mais je vois ça, toi. Vous avez débarqué au bon moment. J'ai presque tout perdu. Bon, bah c'est bon, ça devrait se calmer. Bon, 2h30. Bon, allez, comme d'hab, hein, je fais mon petit tour. Hop, en plus il pleut pas, comparé à hier. Allez, hop.